Bonjour à Bonjour les tous. copains. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde est là? Ready? On va y avoir des bruits parasites aujourd'hui parce que nous sommes en live et en même temps ouverts à la boutique. C'est une première pour nous. Et on a Axel que je vois caché derrière la machine à café d'ici qui crie des bêtises. Comme quoi, il faut s'abonner à la chaîne, aux C'est chaînes, à ça. toutes les chaînes. Abonnez-vous. Abonclochez-vous, comme il dit. Il paraît que c'est une nouvelle expression à utiliser. Abonclochez-vous. Bref, voilà, ceci dit, êtes-vous tous prêts? Êtes-vous tous là? Est-ce qu'il y a des petits soucis techniques? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout roule? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que je ne brille pas trop? Avec mon crâne lisse? Alors aujourd'hui, on va parler du weathering. Pour ce faire, je vous ai amené plusieurs figurines sur lesquelles on va essayer de voir des petites choses. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu les techniques de base, classiques, tout en abordant un petit peu tout le panel du weathering avec les écailles de peinture, les différentes traces d'usure, de boue, de bataille qu'on peut rajouter sur nos figurines pour leur donner un petit peu vie. Je vous ai amené plusieurs supports qui vont permettre de traiter le truc de différentes manières. Le côté, est-ce que je vais pouvoir faire du weathering directement sur ma figurine que je viens de commencer? Comment je peux faire pour fignoler ma figurine que j'ai déjà bien avancée? Ou j'ai ressorti une vieille figurine du fond de mon placard. Comment je peux lui redonner un brin de vie et l'améliorer un petit peu avec du weathering? On verra ça aussi sur de l'infanterie avec un classique Space Marine, voir ce qu'on peut un petit peu en faire. Voilà, donc on va partir un petit peu avec tout ça. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Le chat est là pour ça et Bastien se C'est fera ça, il y a votre Stéphanie qui est porte-parole. connectée, il y a Geoffrey, il y a Sébastien, il y a Julien, c'est toi. Hop. C'est moi, voilà. Il y a Romfig qui fait salut la team, Lionel aussi, Jimmy Yag qui est là aussi. Hop, Bah, Stéphanie. bisous à tout le Et monde. Bruno, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Il y a Stéphanie qui fait chaud à Grenoble. Ouais, t'as vu. Bah, ça va, mais Il fait bon, là, ouais, voilà. pile poil comme il faut. Dans la boutique, il fait bon. Rome qui fait son nickel, et ben top. Et Bah, Romfig qui top. fait belle coupe de cheveux, Bastien. Ouais, mais T'as un vu. jour, de toute Un façon, jour, on il va va passer voir, à la mais même ouais, que la mienne. je vais faire comme lui là-bas. Voilà. Mais il aura une plus grande barbe que moi. J'espère que tout le monde va bien, du coup. Allez, c'est parti, on attaque. Parce que du coup, le timing est un peu plus serré aujourd'hui. Et on a C'est pas ça. mal de choses à voir. Alors, je vais commencer tout de suite par vous montrer une étape qu'il faut faire assez tôt dans le weathering, parce que c'est une étape qui va nous demander un petit peu de temps de séchage. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai un char qui est un peu plus avancé pour vous montrer cette étape-là. C'est une étape qui va demander. On est un petit peu dans la modélisation, on n'est pas encore tout à fait dans la peinture. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire assez tôt. Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer ça en premier. C'est l'application de la boue. La boue, c'est quelque chose qu'on fait en plusieurs étapes. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement sur notre char. Ça fait presque partie du soclage sur les figurines. Et c'est quelque chose qu'on va travailler en plusieurs étapes, qu'il va falloir élaborer. Donc, je l'ai déjà faite sur ce petit rhino avant pour que du coup, ça soit déjà sec et que je puisse vous montrer la suite dessus. Mais ici, je l'ai pas faite pour pouvoir vous montrer comment on l'applique. Voilà. Donc là, sur celui-ci, quasi toutes les étapes de weathering ont déjà été faites et sont prêtes. Il va rester plus que la boue et les pigments à faire. Le truc, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que la boue soit déjà bien sèche. Donc je vais vous montrer comment on l'applique. Pour ça, on utilise de la texture. Alors moi, j'utilise la texture Valero. Alors vous Ouais. pouvez utiliser celle-ci, ils en ont plein d'autres dans leur gamme qui marchent très très bien. Vous pouvez aussi utiliser toutes les textures Games Workshop qui fonctionneront. Vous pouvez varier avec les couleurs en fonction des environnements que vous avez envie de faire. Si vous la repeignez par-dessus, la couleur aura peu d'importance. Rappelez-vous que c'est quelque chose sur lesquels on va travailler avec pas mal de pigments pour augmenter la texture et l'ambiance dessus. Donc finalement, la couleur va aussi pas mal évoluer. Donc moi, je pars sur quelque chose d'assez neutre, hein, un gris comme ça. Derrière, je peux m'amuser un petit peu avec les couleurs. En termes de texture, c'est aussi quelque chose de très très simple. Pour l'appliquer, alors c'est tout simple, hein, c'est une sorte de pâte qui ressemble à ça, hein, comme un pot de Nutella. Et je vous conseille d'utiliser plutôt des vieux pinceaux, des brosses, des spatules, quelque chose d'un C'est ce peu... que j'allais dire, les petites spatules Voilà. qui peuvent être bien. Quelque chose de vieux et d'usé. Ça marchera mieux. Donc l'idée, alors
La spatule, sur un soc, ça marche très bien. Sur une figurine, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme il va falloir aller en mettre un petit peu dans des recoins, vous serez plus précis avec un pinceau. Donc l'idée, c'est de l'appliquer à des endroits un petit peu judicieux où la boue va s'accumuler naturellement. Essayez de prendre des photos en référence pour faire quelque chose d'assez réaliste et d'assez, enfin, d'assez réaliste parce que mine de rien, si on en met n'importe comment, on va vite se retrouver avec quelque chose d'un peu too much et qui va casser un petit peu l'effet. Donc, par exemple, sur un char, il y a plusieurs endroits où la boue va se déposer naturellement. On va forcément avoir sur le bas de caisse, là-bas au fond, là, tac, où la boue va pouvoir s'accumuler. Donc là, vous pouvez y aller un petit peu tamponner votre boue là-bas derrière. Hop. Tac. Il y a Rumfy qui fait les moisis ton unité là. Ouais, les moisies de Nutella. Ouais. Faut Vous attendre allez qu'il soit pouvoir en bien mettre moisi si jamais aussi vous voulez en mettre, parce qu'après un petit ça va peu bouger un peu. sur les roues et sur les différents éléments de suspension. Ça va un peu s'accumuler là dans certains recoins, mais pas trop. Allez-y un peu doucement quand même. Hop. Hop. Évitez les galets des roues, les surfaces des roues, puisque là par contre elles vont repasser dans les chaînes, donc les chaînes vont à chaque fois nettoyer la boue. Donc ça, faites attention. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le bord des chaînes. Salut Clément. Hop. Sur la chaîne en elle-même, là il n'y a pas de souci. Hop. Là, par contre, on peut y aller. Allez-y. Pensez par contre à en mettre plutôt entre les maillons. Et une fois que vous l'avez appliqué, vous passez légèrement votre doigt dessus comme ça, ce qui va faire ressortir les maillons là où le char s'appuie, et du coup là où la boue est enlevée naturellement à chaque fois. Tac. Il y a Sébastien qui nous dit Valero, une valeur sûre. Ouais, ça marche Alors bien. ça marche bien, il y a des gros contenants, donc ça marche plutôt bien. Après on a plus ou moins les mêmes textures, on va dire, chez GW, qui font tout aussi bien l'affaire. Ça dépend, voilà, en effet, de la taille et de ce que vous voulez faire. Donc là, la boue, quand elle passe ici, elle va avoir tendance à tomber un petit peu sur le dessus. Hop. On va aussi avoir quelques éclaboussures de boue, donc pas hésiter à en faire sur le char lui-même. Et la boue va surtout éclabousser ici au moment où la chaîne remonte. Donc là, vous allez avoir un peu plus de boue à l'arrière. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup si jamais vous avez des questions ou autre Voilà. On va faire la même sur tout chose ce que de vous l'autre voyez. côté rapidement. Pareil, si vous avez des photos de figurines que vous êtes en train de faire en même temps ou sur d'autres figurines sur lesquelles vous avez bien travaillé le weathering, n'hésitez pas à nous les envoyer même si jamais vous Comme avez ça, besoin de conseils ou autre. on peut en C'est avec papoter, grand on peut plaisir. les montrer, voilà, on peut discuter un petit peu de tout ça. Voilà. Donc si vous voyez que vous en mettez à des endroits où c'est pas judicieux, vous pouvez tout à fait à l'aide d'un pinceau propre. Comme ça reste de la texture acrylique, vous pouvez la diluer à l'eau pour faire quelque chose de plus fin. Et vous pouvez tout à fait, avant que ce soit sec, avec un petit pinceau humide, enlever la texture des endroits que vous souhaitez garder propre. Pas mal comme ça, déjà on voit déjà bien la différence entre avec et sans. Ça donne déjà un petit peu de vie. Donc ça, c'est vraiment la première étape, mais il y a encore plein de choses à faire. Hop. Donc ouais, voilà, vous voyez que je passe un petit peu de temps à faire en sorte de le poser là où c'est quand même réaliste et intéressant. Parce que ça va vraiment donner un peu plus de finesse à votre travail et un peu de justesse qui vont tout de suite flatter un peu l'œil. En amenant un petit peu de détails. Alors vous pouvez aussi passer en mode bourrin partout, hein, mais je préfère faire un petit peu attention de mettre ça là où c'est intéressant. Il y a Seb qui nous dit l'utilisation des enamel AEK ou du Valero, c'est aussi cool pour du weathering. Alors on y viendra après. C'est
Pour l'instant, on est sur les premières étapes. Alors, je vais aussi beaucoup pendant ce tutoriel parler d'étapes que je fais moi, pas forcément être exhaustif. Il existe plein d'autres méthodes. Je vais rester principalement sur les méthodes qui restent faciles d'accès pour des figurinistes de jeu avec du matériel qu'on a déjà à la maison et qu'on sait déjà utiliser. Bien sûr, il existe ensuite tout ce qu'on peut trouver en modélisme militaire classique, les énamels, tout ça. Il y a énormément de trucs vraiment chouettes à faire avec, mais c'est déjà un petit peu des techniques que je qualifierais par rapport à notre domaine d'avancée. Ça demande d'aller chercher un peu plus loin dans d'autres gammes. Bien sûr, c'est des choses qui sont super intéressantes, mais on peut déjà faire pas mal de choses avec de l'acrylique et ce qu'on a en rayon. Même si effectivement, AK, MIG ou encore Tamiya peuvent avoir des choses très intéressantes, on peut aussi faire plein de choses à l'acrylique. Voilà. Alors, on a Mathieu qui fait salut, question peut-être mal placée, pas du tout, mais est-ce que vous faites aussi des tutos Warhammer SDA, genre éclaircie, etc. Carrément, on a fait dernièrement un tuto visage, on a fait des tutos OSL, on n'a pas fait des tutos éclaircie et ombre. On Bah, les a travaillés un peu sur les capes aussi, donc. ça sera, je pense, parmi les prochains thèmes qu'on fera. Pendant le confinement, j'ai préféré faire des tutos un peu plus de techniques avancées, en pensant un petit peu aux hobbyistes qui avaient déjà un petit peu des choses à faire et qui voulaient un petit peu pousser plus loin. Mais j'ai en projet et en but de faire aussi une série de tutos vraiment débutants avec vraiment les bases que vous pouvez retrouver et partager avec vos copains qui se lancent. C'est l'idée. Il y a Florent qui fait salut Julien, salut Bastien, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et il y a Rumphy qui nous a envoyé un petit gun truck, un 35e avec du weathering envoyé sur Messenger, je vais aller voir ça. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de boue partout sur mon tank à des endroits un petit peu judicieux et maintenant va falloir les laisser sécher tranquillement. L'idée de la boue de les mettre un petit peu aux bons endroits, donc là sur les chenilles ça peut paraître un peu pointilleux, mais imaginez que sur une figurine vous en mettiez. Si vous en mettez un peu partout sur la tête, ça commence à pas être très réaliste. Donc c'est pareil, il faut essayer d'en mettre à des endroits où c'est judicieux, autour des bottes, autour des pieds, voilà. Donc c'est un petit peu la même réflexion. Voilà. Donc une fois que c'est mis, ça c'est un produit qui met un petit peu de temps à sécher. Donc n'hésitez pas à lui laisser Ça va être tranquillement pas le mal. temps de faire son effet dans son coin. Surtout si vous en mettez une bonne couche sur les socles notamment. C'est ça. Vous pouvez utiliser de la même texture pour faire des socles en les tartinant, ça marche très très bien. Une fois que c'est fait, rincez bien votre pinceau parce que c'est une texture qui est assez épaisse à l'intérieur. Vous avez quand même des petites billes de plastique, du sable, enfin voilà, C'est y un a de peu comme le l'épaisseur. typhus corrosion, il faut C'est vraiment ça. bien nettoyer pour éviter que du coup les grains reviennent Comme dans c'est plus épais, l'environnement. faut bien rincer son pinceau. Et n'utilisez pas votre pinceau de peinture, vous allez le ruiner. Prenez vraiment un vieux pinceau, ou une spatule qui servira, qu'à ça. Alors, on a Sébastien qui nous dit, je suis d'accord, ça reste de la technique plus avancée, les enamels, les pigments plus abordables pour figurinistes peut-être. Mais je pense que. Ben, ça marche très bien et c'est quand on dit avancer, on a tendance à imaginer une difficulté supplémentaire. C'est pas plus difficile, c'est juste que c'est des produits qui sont moins communs et moins accessibles dans les gammes qu'on a en boutique pour des figurinistes et des joueurs, des wargamers classiques entre guillemets. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent être assez sympas et peut-être qu'à l'occasion, on fera un tuto aussi sur ces méthodes-là. Mais là, c'est vraiment l'idée de vous avez votre boîte de peinture, vous avez un vieux modèle chez vous, vous voulez aller un petit peu plus loin. Alors bien sûr, il y a quelques produits particuliers dont je vais parler que vous n'avez pas forcément, notamment les pigments, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'on trouve facilement en modélisme de Wargamer. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir avancer avec ce que vous avez déjà. Alors, un autre truc important quand vous faites du weathering, ce sont les lavis. C'est quelque chose qui va être une grande partie de votre ambiance, de votre Du figurine. résultat final. C'est la vie.
On les utilise déjà couramment sur les figurines, donc pour faire nos ombrages, etc. Et en fonction du weathering et de l'ambiance que vous voulez donner à votre figurine, ils ont une importance. Quand vous allez faire votre Space Marine, votre Imperial Fist avec des beaux ombrages orange, bien propres, etc., vous n'allez pas lui donner la même ambiance que si vous allez faire des ombrages marron, noir, froid, etc. Et tout de suite, vous allez induire une ambiance dans votre weathering. Si votre, votre armure, vous l'ombrez avec des tons plutôt froids, vous allez tout de suite donner une ambiance un peu plus froide à votre figurine, qui peut tout à fait suggérer une ambiance neigeuse, une ambiance glacée, et aller du coup avec des socles neige, où là vous allez tartiner de la neige, c'est un weathering assez facile. Si vous lui mettez des tons plutôt chauds, vous allez plutôt du coup aller dans une ambiance désertique ou terreuse, et forcément ça va influencer votre... votre façon de faire le weathering sur la suite. Et du coup, en fonction des bruns, des bleus que vous allez utiliser, ben, vous allez commencer à induire cette, cette couleur, ce weathering. Donc là, par exemple, j'ai fait un coup de pré-ombrage assez simple qui pourrait tout à fait servir de base à un véhicule ou une armure Space Wolf. Okay ? Donc c'est une sous-couche noire, ensuite un coup de marron, et un coup de gris Space Wolf par-dessus. Voilà. Donc en bombe, c'est des bombes de la gamme Valero. Voilà. Je me rappelle plus des noms, mais si vous les cherchez sur le site, vous allez les trouver. Voilà. Et en gros, vous avez le marron et le gris bleuté. Vous passez ça en bombe, ça marche très bien. Donc pour un véhicule, un pré-ombrage comme ça, ça pourrait tout à fait servir de base, et on a tous un petit rhino qui en est à ce stade-là dans son coin. Comment on va faire pour l'amener à avoir un petit peu plus de vie? Donc la première étape, c'est ce fameux la vie. Pour ça, j'utilise un brun qui va tout de suite donner l'impression que la figurine a un peu vécu et qu'elle ne sort pas de l'usine, mais qu'elle est déjà un peu sur le champ de bataille. Ça va suggérer un petit peu la poussière, la boue, l'ambiance un peu salie. Donc pour ça, j'utilise un contraste Wildwood, parce que je n'utilise presque plus de shade, je suis passé entièrement au contraste. Je mets ça dans un petit godet, donc comme ça, tac. Et je vais rajouter beaucoup d'eau. Donc pour une goutte de Wildwood, j'ai rajouté 2-3 gouttes d'eau pour avoir quelque chose de comme vraiment liquide. Pour garder ma tension pigmentaire et garder le produit sans qu'il fasse de tâche, comme d'habitude, je vais rajouter du contraste médium. Je scoupe bien mon pot et je vais facilement rajouter, pareil, 3-4 gouttes de contraste médium. Le Wildwood étant un contraste qui marque énormément, n'hésitez pas à le surdiluer parce qu'il est très pigmenté et il n'y a pas besoin de beaucoup de Wildwood dans le mélange pour qu'il marque. Voilà, donc là il est bien liquide, il commence à être un petit peu transparent, voilà, on est pas mal. Je vais quand même rajouter même une petite goutte d'eau supplémentaire dedans. Il y a un fille qui nous disait les flics bootball peuvent avoir de la boue sur la tête, je vais y arriver, ça j'aime pas. Mais du coup, vous commencez à raconter une histoire. Et du coup, là encore, c'est le côté pertinence à quel endroit je place mon weathering et ma boue. Parce que du coup, ça va être un élément important de la narration de votre figurine. Une figurine qui a de la boue sur la tête, c'est entièrement possible. Mais du coup, ça veut dire quelque chose. Donc vous ne mettez pas votre weathering n'importe comment, n'importe où. Il faut réfléchir à l'endroit où il se positionne, où il se met, pour que ça soit pertinent. Donc mon lavis, une fois qu'il est fait, ben, je vais l'appliquer de manière assez grossière, hop, de partout, sur toute la zone. Voilà. Et en allant me concentrer un peu plus dans les creux. Donc là, vous avez un produit qui peut tout à fait remplacer un Agraxor Shade ou ce genre de produit. Ce que j'aime bien par rapport au mélange, enfin au produit classique, c'est qu'ici on n'aura pas de laitance blanchâtre comme on peut avoir sur les shades. On va vraiment avoir quelque chose d'assez satiné tout en restant saturé et qui marque. Voilà. Donc là, hop, mon lavis s'est accumulé dans les creux, voilà, pour marquer un petit peu tous les volumes. Ok. Pas mal comme ça. Ouais. On va le laisser sécher, on y reviendra un petit peu après.
pas hésiter à le laisser sécher aussi dans la position de votre véhicule, qui va du coup permettre au brin d'aller s'accumuler plus vers le bas, et du coup de continuer à marquer un petit peu l'ambiance et l'environnement de votre figurine. Si vous le faites sécher à l'envers, ça peut avoir un intérêt hein, sur certaines figurines. Vous allez avoir du coup tous les ombrages qui vont aller plutôt vers le haut. Et typiquement, si c'est un véhicule qui est en pleine zone de combat ou un Space Marine, s'il a tous les ombrages vers le haut, ça ne veut pas dire la même chose que s'il a un ombrage classique. Donc à vous, en fonction de la narration que vous voulez donner à votre histoire, de placer votre figurine comme il faut. Donc, d'une manière générale, on va le faire sécher à la verticale pour que le brin aille vers le bas. Ça va aussi suggérer, par exemple, la pluie qui commence aussi à couler sur votre véhicule, qui va faire couler la poussière et l'accumuler plus dans les recoins et les zones basses de votre figurine. Voilà, donc je vais essayer de trouver un petit truc pour le faire tenir le temps qu'il sèche. Je vais le mettre là. Hop. Ah, ben non. J'ai un super holder de la boutique. Je suis sûr qu'il y a un trou dans lequel ça rentre. Pour sécher, hey, parfait, regardez, vous pouvez faire sécher vos différents éléments en les plantant dans les petits trous. Deuxième salut, utilisation. Loïc. Salut Julien, je suis dégoûté, j'arrive un peu en retard, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu pourras reprendre, et puis on vient juste de commencer. On a vu, pour récapituler, le tartinage de la boue sur les différents éléments, donc ça c'est facile, avec un vieux pinceau et une texture, vous tartinez, pensez à le poser aux endroits réalistes, et ensuite un lavis marron qui est une très bonne base pour faire des ombrages. Imaginez que votre figurine elle soit dans un endroit ultra désertique, vraiment sablonneux. Vous pourriez penser aussi à faire des lavis de beige, des lavis très très clairs. Alors je vous montrerai une autre technique après que je préfère, mais effectivement des lavis de couleur très très claires, ça peut servir aussi à suggérer de la poussière. Voilà, voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc là on a vu la boue, on a vu un petit peu les ombrages qui font partie du weathering. On va voir aussi maintenant un grand classique qui sont les écailles de peinture. Donc, je vais passer sur mon petit rhino. Donc, ça c'est le rhino classique de... voilà, on a commencé à peindre, c'est notre premier rhino. Il est chouette, mais maintenant on s'est amélioré, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Comment on peut le rattraper pour lui donner un petit peu de vie? Voilà. Donc la première étape, qui est un grand classique de la peinture de figurines et de véhicules, c'est les écailles de peinture. Notre rhino, on imagine bien qu'une fois qu'il est sorti de son usine, qu'il allait sur le champ de bataille, il a commencé à prendre un petit peu des rayures, un petit peu des éclats, il a essayé de faire de se garer en créneau et il a râpé un peu la voiture d'à côté. Voilà, ça s'est pas bien passé. Ça passe. Pour ça, l'outil indispensable, c'est le petit bout de mousse. De mallette, vous en avez dans toutes les mallettes à plug, c'est des petits plugs que vous retirez comme ça pour faire vos petits emplacements. Ça peut aussi être de la mousse de blister, vous pouvez aussi en trouver dans certains emballages d'électroménager ou d'électronique, etc. Bref, récupérez-en des petits bouts, c'est toujours utile. Voilà. L'idée, ça va être d'utiliser... Alors, je vais essayer de faire la mise au point dessus, si j'y arrive... Voilà, d'utiliser la texture de la mousse pour peindre certains éléments de la figurine et l'appliquer du coup un petit peu comme un tampon. La technique que j'utilise, alors il y a deux façons de faire. On va pouvoir utiliser soit de la peinture foncée, soit de la peinture claire. Je préfère utiliser la peinture claire. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je vais prendre un beige. Hop. Un petit palid witch flesh, je pense que ça va être bien. Ouais, ou même un vrai bone, bref, un beige un peu clair. Hop. Sur un petit chiffon, vous allez mettre une petite noisette de peinture. Il y a Seb aussi qui nous a envoyé un cyclope avec du weathering. On ira voir ça tout à l'heure. Tac. À l'aide de ma petite mousse, je viens prendre un petit peu de peinture sur mon chiffon, mais point trop n'en faut. Voilà. Pas hésiter à retirer l'excédent. Pas tout à fait comme un brossage, hein. Il faut qu'il y ait quand même un peu de peinture fraîche dessus, mais il faut pas trop en avoir. N'hésitez pas aussi à faire un petit test sur un pouce sous-couché ou sur un bout de plastique à côté. L'idée, c'est d'avoir un petit peu cette texture qui va se dégager. Ok ? Une fois que c'est fait, vous prenez votre véhicule et vous allez viser tous les endroits où l'usure peut venir se poser. Toutes les arêtes, ça marche très très bien. Ça
ça fait un peu de texture sur les arêtes, ça va être... Ça va vous faire aussi un petit éclairci sur les arêtes. Qui marche. Franchement, pas mal. Donc après, c'est pareil. En fonction du résultat que vous voulez, vous pouvez plus ou moins appuyer, plus exactement, ou moins en rajouter. C'est là où j'allais en venir, en mettre plus ou moins, appuyer plus ou moins fortement. Est-ce qu'il y a des endroits où vous voulez marquer une usure plus importante qu'à d'autres? N'hésitez pas, par exemple, à des endroits qui racontent une histoire. Par exemple, on imagine bien que les arêtes de la porte vers le haut, quand elles vont frotter au sol, ça va un peu plus marquer. L'avant aussi, qui est peut-être plus sujet à prendre des impacts, à frotter dans, si on traverse un immeuble. Même le bas de caisse, voilà. Faut le imaginer bas de caisse, que ça frotte un peu quand etc. même. C'est des endroits où vous pouvez aller mettre des choses. Il y a certains recoins par contre qui vont être plus protégés, donc peut-être que ça vaut moins le coup d'aller en mettre. Vous voyez que ça va quand même assez vite, hein, parce que là j'ai déjà quasiment fait le tour de mon véhicule. Pensez aussi aux endroits où l'équipage va passer. Où ils vont mettre leurs bottes, où ça risque d'accrocher la peinture. Voilà. L'idée, c'est de montrer l'usure, les écailles que va prendre la peinture au fur et à mesure de la bataille. Vous pouvez aussi en mettre un petit peu sur les surfaces planes, ça donne un petit peu quelques éclats. Voilà, et vous tamponnez tout le tour. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une technique qui peut se faire avec de la peinture foncée. L'idée de commencer avec une peinture claire, c'est que vous allez pouvoir ensuite, dans un second temps, à l'aide d'un pinceau très fin que je vais sortir de ce pas. Donc là, vous prenez le pinceau le plus fin que vous avez. Ouais, hop, j'en ai attrapé un au hasard. Ouais, il est même trop fin, ça va m'enquiquiner. Hop, le petit pinceau Red Grass 2/10 est très très bien pour ça. Vous prenez un marron foncé. Pourquoi marron foncé? Parce que on va commencer à donner aussi l'ambiance un petit peu de la rouille. Donc c'est pour ça qu'on va partir plutôt sur cette teinte-là. Donc pour ceux qui m'ont vu faire mardi soir, je vous ai déjà montré un petit peu en avant-première ce qui allait se passer. Donc vous prenez un petit peu de peinture marron sur votre palette, hop, ici présente. Vous la diluez un tout petit peu, pas besoin de s'embêter. L'idée c'est que ça marque assez rapidement sans laisser trop d'épaisseur. Hop. Et vous allez pouvoir du coup reprendre toutes les petites taches que vous avez faites avec une petite touche de marron, en essayant de ne pas recouvrir entièrement le clair que vous avez mis. Ce qui fait que ça va vous donner l'impression que le bord de votre écaille est éclairci. Donc le blanc que vous avez posé avant fait l'éclairci, donc vous avez votre peinture bleue, c'est ça. Hop, qui va jusqu'à l'éclairci, et ensuite vous avez la coque en elle-même qui apparaît du coup en brun foncé sur le dessous. Et vous pouvez faire comme ça rapidement tout le tour de la coque de votre véhicule. Ça vous laisse du coup ressortir la peinture du dessous, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est comme si la peinture, le primer qu'on met avant sur l'acier pour accueillir du coup la couche de couleur pouvait réapparaître. Voilà. Et on ira après jusqu'à l'acier, puisque dans l'étape d'ensuite, d'après, on mettra un petit peu de métallique. Il y a Rumpy qui fait le rhino, il a lui aussi été retrouvé au fond de l'Atlantique. Ouais, il était à côté du Sherman. C'est ça. C'est, mais en même temps, sur les rhinos, c'est plus commun que sur les Sherman. Oui. En 41e millénaire, ils usent jusqu'au bout. Les espaces corrodés. Alors, c'est aussi une texture qui marche plus facilement sur l'échelle des chars 40K que sur l'échelle des chars bolt action. Sur l'échelle des chars bolt action, il faut être quand même un peu plus délicat, parce que sinon ça fait quand même vraiment très rapidement des grosses écailles de peinture qui sont pas très très réalistes. Plus votre maquette est grosse, plus ça fonctionne. C'est ça, plus ça va être permissif au niveau de... Puisque plus le détail de votre mousse sera plus fin sur une grosse maquette que sur une petite maquette. Après, à vous de gérer, en fonction de vos envies, de l'histoire que vous avez envie de raconter avec votre véhicule, d'avoir plus ou moins la main lourde. C'est ça, vous pouvez utiliser aussi différentes petites tailles de mousse, en fonction du rendu et des zones que vous voulez. C'est ça. L'autre technique, que je vais vous montrer juste après, c'est aussi de tout faire au pinceau. Vous pouvez tout à fait vous passer de la mousse, et au même titre que ce que je suis en train de faire avec mon marron, venir vous-même, avec un pinceau, positionner à certains endroits des petites taches de peinture pour
simuler cet effet. Tac. Vous voyez que ça va assez vite, mine de rien. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis non plus. Et ça donne tout de suite un peu de vie à votre véhicule. C'est ça, ça lui donne du vécu. Il y a Loïc qui nous pose une petite question aussi. Julien, fais-tu des formations individuelles sur le MNM? Oui, c'est possible. NMM, d'ailleurs. NMM. Il y a Arnaud Fernandez qui fait bonjour. Et est-ce que tu peux nous montrer un weathering style impact, diffuseur, laser ou obus? Alors, pas aujourd'hui. Ça devient un peu spécifique. Là, je vais vraiment vous montrer les bases du weathering. Pourquoi je peux pas te le montrer là maintenant tout de suite? Parce que sortir la perceuse. C'est ça, ça demande du modélisme, ça demande de faire un peu des choses avant le travail de peinture. Donc là, on est plus dans la conversion que juste la peinture. Et du coup, ça me demande de préparer un petit peu du matériel à l'avance. Faudrait que j'ai une figurine et qu'on commence à la sacrifier ensemble. C'est ça. Tac. Alors, Kevin qui vient de se connecter aussi, salut l'équipe, salut à toi. Et il y a Louis qui demande combien d'heures à peu près la formation MNMMM. Ça dépend de la qualité que tu veux. Grosso modo, on fait des cours de peinture individuels qui sont à 10€ de l'heure. Donc on peut très bien se caler 1, 2, 3 heures ensemble pour regarder un petit peu ça. Par contre, ça sera vraiment des bases. Ensuite, régulièrement, on fait des masterclass sur 1 ou 2 journées. C'est 80€ la journée. On est plusieurs, mais on aborde des sujets de manière un peu plus avancée. Et du coup, là, on fera certainement dans l'année un masterclass MNM. Ça, vous retrouverez les dates sur... sur nos différents outils de communication au fur et à mesure qu'on fera ce genre d'animation. Donc comme je disais, on peut le faire à la mousse, mais certains endroits sont difficiles d'accès avec la mousse, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire avec un pinceau fin. Ça va vous demander un petit peu plus de maîtrise et de faire un petit peu des choix, mais vous pouvez tout à fait... Alors, je vais essayer de me mettre en face. Là, on va bien. Voilà. Vous pouvez tout à fait, à certains endroits, à l'aide de votre pinceau, venir faire des petites traces, des petites marques. Plus simple que le lining en plus. Plus simple que le lining, vous avez besoin d'être moins précis. Ça sert aussi d'éclaircie. Et puis si vous débordez, c'est moins grave. Et ça vous permet comme ça de... Salut Vincent. Plus maîtriser votre weathering. Et d'être plus délicat et éventuellement plus précis. Voilà. Tac. De la même manière, une fois que vous avez mis vos petites taches de blanc, vous reprenez votre marron foncé. Et vous venez à l'intérieur refaire la petite écaille de peinture qui va bien. Voilà. Donc déjà tout de suite, notre rhino, il a commencé à prendre une autre gueule sur ce côté-là, là, sur le bleu. On va le faire aussi sur le blanc. Sur le blanc, c'est assez délicat de venir tamponner du blanc. Plus blanc que blanc, c'est compliqué, mais on peut toujours. Donc vous pouvez tout à fait essayer à l'aide de votre blanc. Alors, à quoi ça ressemble un céramique white que vous n'avez pas ouvert depuis longtemps? Ça ressemble à ça. Donc n'hésitez pas à le remélanger vigoureusement. Hop. Donc de la même manière, je vais prendre un petit peu de blanc, je vais le mettre directement sur. Donc là, il faudra quand même une couleur plus claire que. Voilà, faut prendre votre couleur la plus claire possible. Mais vous allez voir que ça ne va pas faire grand chose. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on a une autre corde à notre arc. Donc, comme tout à l'heure, un petit peu, mais pas trop. Et je peux venir tamponner un petit peu de blanc. Alors vous voyez que là sur le blanc c'est invisible, donc inutile. Par contre sur des couleurs un petit peu intermédiaires comme le gris que j'ai là, je peux tout à fait venir tamponner un petit peu de blanc. Ça se voit un petit peu, mais vous voyez c'est pas non plus la folie. Hop. Il y a Vincent qui nous dit je suis dégoûté, Grenoble est à plus de 100 km, pas grand chose, à vol d'oiseau de chez moi. Dommage. Venir en drop pod au pire. Toujours aussi impressionnant en espérant te voir en live cet été. Créer un petit message de Christophe.
Bah carrément. De toute façon, c'est prévu que les lives continuent sur Tac. différents petits tutos comme ça. Bon, vous voyez là que le blanc sur une couleur claire, on peut faire quelque chose, mais c'est pas ouf non plus. De la même manière, quand vous avez déjà ça, vous allez pouvoir revenir avec votre marron pour venir faire vos tâches, comme on l'a vu tout à l'heure, et venir reprendre votre weathering. Tac. Au fur et à mesure. Pas mal comme ça. Vous voyez que cette technique qui est souvent... Souvent, les gens sont un peu... se disent, oh mon Dieu, ça va être long, c'est compliqué. En fait, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide que ce qu'on imagine. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des linings sur un rhino, mais c'est l'enfer. Vous allez y passer des années. Alors que là, en quelques minutes, on a bientôt fait le tour de notre rhino. Voilà, tac. Et donc pour finir, quand vous avez une couleur comme ça claire qui est un peu embêtante, vous pouvez tout à fait, contrairement à ce que j'ai dit jusque-là, prendre un petit bout de marron. Partir sur du foncé. De partir directement sur le foncé. Salut Mickaël. Donc pour ça, je prends ma couleur marron. Je regarde qui c'est qui rentre dans la boutique et qui c'est qui s'en va. C'est mon côté commère et curieux. Ça, si vous voulez passer nous voir. Tac. Donc, ouvert. Le petit bout de mousse, toujours comme tout à l'heure, ouais. Hop, que je trempe dans mon marron, j'enlève le surplus. Et ce coup-ci, je vais venir tamponner directement. Ah, jette la mousse dessus. Je jette la mousse sur la figurine et je vais venir tamponner directement mon marron. Avec un peu de parcimonie. Vous voyez que pareil, ça marche tout de suite très très bien. Ouais. Là, on voit encore plus le résultat on par voit rapport au bleu. Tout de suite le contraste. Ah, c'est sûr qu'à l'écran, le côté bleu-blanc, ça se verra, ça sera plus contrasté sur la couleur claire. Et que ça va très vite. Donc vous suivez les volumes. Pas besoin de trop en mettre dans les recoins. Hein. C'est plutôt une texture qui va érafler les parties saillantes. Hop, la petite échelle, parce qu'on imagine bien que quand ils posent leur bout dessus, ça va un petit peu. Hop. Vous voyez, le mouvement par contre est assez important. C'est-à-dire que quand je tamponne, j'appuie et je lève. J'appuie et je lève. Il ne faut surtout pas faire de mouvement de glissade. Sinon, vous allez faire une autre texture qui sera une trace, une fumée. Ça marche beaucoup moins bien. En tout cas, ça ne sert pas à faire le même effet. Je vais le montrer dessous, parce que dessous, ça sera caché. Si j'appuie nickel, ouais. Et que je lève, ça me donne des petites marques. Voilà, tac. Si par contre je glisse, ça me donne des traînées. Des petites traînées de sang bien sympa. Voilà, donc ça peut servir à faire du sang, des éclaboussures, de la fumée. Si vous avez besoin de faire par exemple en noir, vous pouvez tout à fait faire de la fumée de. C'est ce que j'allais dire, parce que là du coup on a les quatre pots d'échappement. C'est ça, de pots d'échappement, ça marche très très bien. Mais ça marche pas pour faire des écailles de peinture. Hop. En parlant de live, du coup, on va se retrouver aussi demain pour une grosse soirée. Vu qu'on, du coup, on peut pas ouvrir la partie jeu, on va dire la night classique du vendredi. Du coup, on va vous faire un gros live. Du coup, c'est la night qui va venir chez vous.
Voilà. Donc du coup, on devrait avoir une belle partie de bolt action, je pense. Et après, on va voir Julien, je pense, en peinture. C'est ça. Je sais pas encore ce qu'il vous a concocté. Mais... Moi non plus. C'est comme une soirée jeu, c'est un côté tranquille, on se pose, on fait des trucs. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à le marquer comme ça. Au revoir. Voilà, donc du coup, on a notre weathering qui se met en place et on voit qu'il a commencé déjà à changer de tête par rapport au début. Oui. On a un char qui a un petit peu plus vécu et quand on pose sur la table, ça commence à donner un petit peu de la gueule. Ça donne surtout beaucoup de micro-détails sur lesquels les yeux peuvent se poser, s'arrêter et passer du temps à explorer la figurine. Plutôt qu'un bête à plat tout bleu, ça donne un peu plus de vie et de profondeur à votre travail. Voilà. Donc là, on est pas mal. Tu disais la technique de la mousse aussi pour la texture boue, j'imagine. Par exemple, sur les... sur la figurine, sur les bottes d'un Space Marine. Tout à fait, on peut donner un petit peu de vie sur vos... Si vous voulez lier un peu votre socle et le reste de la figurine. Je vais vous montrer comment on fait. Vous prenez un petit bout de mousse, vous pouvez très bien le tenir avec une petite pince. Donc là, je ne les ai pas prises avec moi, mais quand vous avez une petite pince ou alors l'angle d'une mousse, hop, et sur votre Space Marine... De la même manière, avec précision, vous pouvez venir mettre sur des zones d'usure des petites traces. Hop. D'éclat. Il y a Alex Servage aussi qui vient de se connecter. Hello there, salut à toi. J'espère que vous allez bien. Voilà. Hop. Sur toutes les bottes, tout ça. Donc là, en fonction du niveau de battle damage que vous souhaitez lui infliger, à vous de voir où vous vous arrêtez. Après, il y a vraiment des adeptes qui sont, entre guillemets, anti-weathering. Et d'autres, du coup. Vous pouvez être plus ou moins léger. Donc là, on est sur quelque chose d'assez lourd. Hein, sur celui-là, il a été au fond de l'Atlantique aussi. Mais non. On l'a retrouvé à côté du Rhino et du Sherman. On pourrait même aller encore plus loin, hein. Et vous pouvez être beaucoup plus léger, comme celui-ci qui a juste quelques petites traces un peu sur les genoux, voilà, par-ci, par-là. À vous de voir à quel moment vous vous arrêtez. Hop. Sur une figurine qui ne serait pas blanche, sur laquelle vous avez préféré commencer par le tamponnage en foncé, vous pouvez très bien, à l'aide d'une couleur claire, venir faire comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de marquer l'intérieur de ces marques, vous allez marquer l'extérieur, le pourtour. Hop, et en reprenant chaque petite trace de manière individuelle. Un petit pinceau quand même. Ouais, il faut un pinceau fin. Et venir... Il y a Dim qui nous fait le crâne de Julien brille trop. On peut régler les ISO. Ouais, si tu veux. Après, le problème c'est qu'il brillera toujours trop par rapport au reste en fait. C'est ça. Je vais essayer un peu de... qui brille encore plus comme ça. Vous allez être ébloui. Ah, donc, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose à faire, mais si on passe sur un qui soit plus abîmé comme celui-ci, hop, forcément, vous allez avoir un peu plus de travail. Alors, j'aime moins cette méthode parce que du coup, elle va vous demander énormément de précision pour venir faire votre petite ligne de blanc sur chaque élément qui doit. Ressortir, alors que si vous avez tamponné en clair, c'est beaucoup plus facile de venir remettre du noir à l'intérieur, ouais. Parce que ça sera plus facile à viser. Voilà, donc après, à vous de voir un petit peu où vous souhaitez vous arrêter, mais l'idée est là. Voilà. Une fois qu'on a marqué ça, pour les écailles de peinture, il nous reste une dernière chose à faire, c'est le métal. Donc là, on a vu que notre couche de peinture a été abrasée, a parfois sauté jusqu'à cette couche de brun, mais on peut aller plus loin avec l'acier. Alors là, vous pouvez utiliser votre acier le plus clair possible. Donc moi, je vais utiliser mon Storm of Silver. Ouais. Hop. Et Gascule qui dit « J'adore ton vernis à ongles ». T'as vu ? Ouais. C'est parce que j'ai fait de la sous-couche tout à l'heure. Ça permet surtout de faire des tests au fur et à mesure. Donc je prends mon Storm of Silver, j'en mets directement un peu sur mon chiffon, là où il est humide, ça m'évite de jouer avec la dilution, il est tout prêt comme ça. Et là encore, à l'aide de mon pinceau, je vais prendre les endroits
Alors, pas la peine de repasser partout, mais tous les endroits où vous avez du marron qui est un peu prononcé. C'est ça, là où vous allez avoir des grandes zones. Voilà, toutes les grandes zones de marron, vous allez pouvoir repasser sur l'arête un petit peu de métal. On a Creed aussi qui vient de se connecter, salut à toi. Salut. Hop. Et marquer du coup là où l'usure est revenue jusqu'à l'acier. Pas mal comme ça. Donc, allez-y avec parcimonie. Visez surtout les arêtes, les endroits où on va avoir une abrasion vraiment forte. Tac. Plus ça va vite, parce que du coup, moins vous avez d'endroits où vous devez en passer. Forcément, parce que les tâches se réduisent au fur et à mesure. C'est ça, les tâches se réduisent au fur et à mesure. Il y a moins besoin d'en mettre partout. Hop. Vous voyez que du coup, c'est une technique qui est assez rapide à mettre en œuvre. Et pas besoin d'avoir peur de passer 10 ans de plus sur vos véhicules pour le faire. Ça donne un rendu assez chouette. Ouais, pousse un petit peu plus loin votre véhicule. Pour la personne qui demandait par exemple de faire un impact de fuseur ou un impact de balle, tu vois que juste même à la limite avec cette technique, si jamais tu creuses un peu la coque, on va dire, avec, avec un scalpel ou autre, du coup tu vas pouvoir faire les mêmes effets en fait de profondeur et d'écailles qui s'enlèvent. C'est vrai qu'après ces weathering un peu plus appuyés, ce qui va changer effectivement, c'est que la technique de peinture va pas être très différente. On va avoir ces différentes teintes et ces différentes épaisseurs à suggérer. Ce qu'il y a, c'est qu'on va juste accentuer le weathering par un peu de modélisme avant pour donner la profondeur de l'impact. C'est ça. Et avoir du coup vraiment la coque qui est déformée. Donc pour ça, il va falloir percer avec une perceuse de modélisme ou une petite meule si on veut vraiment donner un effet beaucoup plus gros. Vous pouvez aussi utiliser de la colle plastique, un peu d'acétone pour faire fondre certaines parties, vraiment suggérer l'aspect que la coque est fondue. Et une fois que c'est fait, mettre en travail votre peinture. Et forcément, dans ces zones-là, la peinture de carrosserie va plus être présente. Donc il va falloir travailler déjà tout au marron avec votre couleur la plus foncée, ouais. Puis ensuite retourner jusqu'à l'acier et donner un petit peu de teinte à l'acier avec différents lavis, etc. Voilà. Donc là, on a déjà un weathering qui est assez chouette et qu'on peut facilement poser sur la table avec fierté. Mais on va voir si on peut aller plus loin. Alors, est-ce qu'ici, c'est sec? Non, c'est pas encore sec. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous montrer là-dessus. Mais grosso modo, la première étape, ce sera la même technique. Alors, on a Kevin qui nous demande, avez-vous reçu les commandes Bushido? À savoir si je passe demain matin. Alors, pas tout. Je ne sais pas si tu étais... On n'a pas tout reçu en Bushido encore. Là, on a reçu notre table de démo, mais on n'a pas encore reçu les produits Bushido. Donc, on a notre coque et il me reste un petit peu de la vie marron de tout à l'heure. Je vais vous montrer une petite technique qui est assez intéressante sur le weathering. Ce sont les différentes coulures qu'on peut faire. C'est le début du travail de la rouille, mais c'est aussi le début du travail de la pluie, de l'environnement qui va se mettre autour de notre figurine. Qui peut tomber aussi au niveau des moteurs. C'est ça, de l'huile, ça peut être aussi la même technique. Là, je vais utiliser mon marron de tout à l'heure et je peux venir autour de certaines zones faire des petites marques à la verticale, je peux reprendre quelques éclats de peinture et les tirer comme ça vers le bas pour donner l'impression que la rouille qui a commencé à s'installer dans l'éclat de peinture va avoir légèrement coulé
le long de la coque pour la marquer. Alors essayez d'être un peu délicat avec cette étape. Si vous faites des choses un peu trop grossières, on va voir plus que ça et ça donnera pas la même notion à votre figurine. Vous pouvez aussi forcément revenir autour de quelques rivets, détails, interstices. C'est le moment de remarquer un peu quelques volumes qui auraient été oubliés dans les travaux précédents. Hop. Il y a Jimmy qui nous dit pour les impacts, je fais des trompe-l'œil pour éviter de découper la figue. Ça peut marcher aussi, mais c'est quand même plus simple quand on découpe la figue. Oui. Hop. C'est de la merde. Nous avons Axel qui vient d'apparaître. Et on fait nos petites coulures. Tac. Donc quand vous faites vos coulures, pensez un petit peu à la gravité. Là, sur mon véhicule, sur les flancs, les coulures, elles vont aller vers le bas. Sur l'avant, il va falloir suivre la coque et aller... Petite coulante. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, rien. Si, ça lui rappelle les souvenirs. Dans le sens où l'eau coule. C'est ça. Sauf si votre rhino fait des backflips, normalement, ça va vers le bas. Moi, le mien, il fait des backflips. S'il est lancé par un gros rédempteur. C'est ça. Par un Nikon. Tac. Et sur les parties plates, et ben du coup, ça va s'accumuler dans les creux. Est-ce que j'allais dire, est-ce que tu du coup fais des petites flaques ou... Bon, en fait, c'est une sorte de petite flaque autour des volumes dans les recoins. Voilà, pas besoin de faire de. C'est bio. Pas mal, hein, comme ça change la figurine. Ah bah. Bizarre, c'est vachement plus net que ce que j'ai essayé de faire. Oula, un peu trop. Du coup, est-ce que tu vas repasser aussi du lavis après sur sur la texture des chenilles, par exemple ? Non. Tu vas le laisser tel quel ? Ouais, parce qu'on va y aller au pigment sur les chenilles. Tu dis pas la vérité ? Non. Ouh. C'est un cochon qui ment. C'est un cochon qui ment. Tac. Alors ça, c'était un peu violent. On va la refaire en moins crispé. C'est quoi le texte ? Oh. Hein ? Oh. Alors... Pourquoi j'ai pas les photos ? Je vais essayer de retrouver les photos du coup que vous nous avez envoyées. Pour vous montrer ça. C'est que ça merde. Ouais. Voilà. Et pas oublier de faire ça sur le bleu aussi. Alors comme le bleu est plus sombre, on va du coup moins diluer notre contraste pour que ça se voit. Là, il est quasiment pur et je vais faire le même travail sur le bleu. Il est comme moi, il est pur. On n'y croit pas une seconde, Axel. Mais... Ah bah, du coup, on a Sébastien qui nous avait envoyé trois petits cyclopes. Pareil. Et on peut s'apercevoir qu'il s'est donc compté jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et ça, c'est beau. Ou 3, 2, 1. Ou 3, 2, 1. Ah. J'aime beaucoup ces petites figurines. Ouais, les cyclopes. C'est rigolo. En plus, avec les petits décalcos, 1, 2, 3. Et en termes de règles et tout, c'est vraiment cool. Ça fait quoi d'ailleurs ? V7, V8, c'est des petits véhicules de démolition de la garde impériale. Mode déminage ? Oui. Alors, il y a Rome Fig aussi. Je vais essayer de vous montrer ça. Vraiment, un camion avec marqué colonel. Toujours plus. Hop, celui-là je vais vous le montrer après, ça ira du coup avec les pigments. Yes.
Bonjour à tous, merci pour ces vidéos. Vous avez évoqué 2.47 à la dernière fois. Super jeu, facile à mettre en place et des figurines qui se prêtent très bien à ce genre de wizarding. C'est vrai. C'est ça. C'est les stencils. C'est vraiment chouette. D'accord. Qu'il l'a fait au pochoir, c'est ça? Ouais, au pochoir, tout à fait. C'est beau. Voilà. Oui, Creed, des cyclopes, de la garde. Toujours plus de garde. Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire sur vos figurines en étant le plus léger. Il y a un fait qui dit qu'il a existé le Gun Truck The Colonel. Ah oui, je sais, c'est trop. Oui, le Gun Truck Colonel. Oula. On a Grimzalg qui vient de se connecter sur Twitch. Salut à toi. Non, mais ça va, niveau culture G, ça va. Je dirais pas comme ça. J'ai l'air un peu con, mais au final, ça va. C'est le plus intelligent de nous tous. Mais faut pas lui dire parce qu'après. Ça me touche beaucoup, on n'a pas le rang en confinement. Un mètre, tu peux toucher de loin. Tu peux toucher de loin. Non, mais en vrai, les cyclopes sont vraiment chouettes. Ouais. Puis les filles sont cool. Faire des rollers à la limite pour Annika. Voilà l'idée. Mais oui. Il y a Creed qui est en train de faire une conversion. Mais ça rentre, putain, ouais, le métier qui rentre sur les cyclopes. C'est ça, je peux mettre des cyclopes sous mes IK et faire des rollers. Faire les socles avec des cyclopes. J'ai toujours rêvé de faire serveuse à roller. C'est un problème avec les chèvres, Axel. C'est vrai. Ouais. Moins que nos amis ardéchois. Ça fait plaisir, vous êtes encore en vie. En même temps, il y a 4 habitants au mètre carré. Je peux se reconcentrer, les enfants, là, s'il vous plaît. Il est chiant, le prof. Alors, du coup, on a nos marques d'écailles de peinture et on a nos petites coulures de pluie qui commencent à s'installer. Et on commence à avoir un véhicule qui a de la vie. Ces couleurs de pluie, on peut aussi les faire dans des marques pour montrer la poussière qui aurait coulé sur notre véhicule. Là, avec un beige bien dilué, vous pouvez aussi donner cette notion de poussière sur votre figurine. Et avoir du coup des petites stries. Il y a Loïc qui dit facile les distances d'un mètre chez nous. Poussière pour donner forcément l'impression de la poussière sur votre véhicule. Alors ça marche. Ah, il y a Rumfi qui fait on a perdu le micro de Julien. Parce qu'il m'a pas dit du coup qu'il était en rouge tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, il était en vert quand tu m'as posé la question. Tiens. Hop. Petit passage au stand. Florent qui dit en effet, on t'entend plus, Julien. Ça va revenir. I'm back. Alors, vas-y. I'm back. 1-2, 1-2. Ouais. Oui. Donc je disais, vous pouvez tout à fait marquer la poussière dans un environnement un peu plus sec et désertique avec des coulures de beige crème. Ça va donner un petit peu l'ambiance de la poussière qui coule sur votre véhicule avec la pluie. Alors allez-y vraiment très légèrement, n'hésitez pas à bien diluer pour avoir quelque chose de très subtil. Voilà. Et alors on a Grimza qui fait, mais en fait vous êtes sur 3 plateformes. Exactement. Du coup, pour tous ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez aller aussi soit sur YouTube, soit sur Twitch. Du coup, vous aurez la qualité un petit peu. Oula. C'est quoi? Ah non, j'ai cru que c'était du pigment. J'ai loupé une étape. Vous pouvez aller soit sur YouTube ou soit sur Twitch, du coup, pour avoir une meilleure qualité. Et surtout, un délai de latence beaucoup plus faible. Hop. Il y a Grimzak sur Twitch qui fait ça fait toujours plaisir des peintres FR sur Twitch, il y en a, mais c'est plutôt rare. En effet. Nous ne sommes pas beaucoup. Cette poussière aussi avec la pluie, elle va facilement s'accumuler dans les creux, donc vous pouvez tout à fait aller faire un petit lavis de beige très clair dans les coins
les plus. Donc là, pour ceux qui se posent la question, du coup, là, c'est pas un lavis C'est simplement de la peinture très diluée. Voilà. Ouais, c'est quelque chose que la référence de cette couleur-là. Je vous remontrerai après aussi. On pourra le faire et l'accentuer un petit peu avec des lavis, avec des pigments. Mais c'est pour vous montrer qu'avec l'acrylique, on peut déjà faire des petites choses sympathiques en termes de poussière. Alors la poussière, par contre, sur les zones plus plates, elle va plus s'accumuler que la boue. Donc à vous de la positionner aussi avec... avec parcimonie, c'est ça? Non, de la positionner judicieusement. Tac. Voilà. Et on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Voilà. Alors sur le blanc, pour le coup, la poussière, ben, ça va marcher beaucoup moins bien. Comme vous le voyez, on voit pas grand-chose. Le blanc va plutôt marquer les couleurs sombres que les couleurs claires. Donc à la rigueur, vous pouvez rajouter différentes intensités de coulure avec du foncé, mais le beige ici ne marchera pas du tout. Voilà pour les derniers effets qu'on peut faire à l'acrylique. On a Grimson qui nous montre, c'est un transport ultra des swing les couleurs. Ultra des swing, pourquoi des swing? Ah, alors c'est pas le mien, mais c'est le schéma de couleur de Dim. Voilà, donc c'est son. Parce qu'il veut peindre que le côté droit des figurines. C'est ça, comme ça lui permet de peindre qu'une moitié de figurine. Et donc, comme j'avais pas de Rhino prêt à l'emploi, il m'a prêté le sien pour que je lui fasse quelques weathering dessus. Voilà. Donc là, on a un Rhino qui a déjà bien vécu. Tac. Il y a Rumphy qui nous fait sur blanc, en effet, avec un beige sable, ça fonctionne. Ça fonctionne pas très très bien, ni avec le blanc d'ailleurs, blanc sur blanc, ça marche pas très très bien. Une fois qu'on a fait tout ce travail à l'acrylique, on va attaquer les pigments. Et ça, c'est généralement quelque chose qui fait peur aux gens. Donc je vais vous montrer un petit peu mes techniques d'utilisation. Vous allez voir que c'est assez rapide à mettre en œuvre, mais ça demande un petit peu de matériel que là, vous n'avez pas forcément. C'est des techniques qui viennent effectivement du modélisme historique, mais que maintenant, depuis plusieurs années, on a transposé à la figurine et à la figurine fantasy. Donc il y a vraiment plein de petits trucs à faire, et ça donne surtout des effets qui ont une texture un peu différente avec ce qu'on a l'habitude de voir. Les pigments, ça va se présenter sous cette forme-là. Donc ce sont des petits pots de pigments qu'on a, nous, chez Valero. Vous avez plein d'autres gammes, il y a plein d'autres marques qui en font, mais nous, en boutique, on aura du Valero. Les Valero, ce qui sont pas mal, c'est qu'ils sont quand même très concentrés. C'est-à-dire que vous avez vraiment besoin d'une toute petite quantité de pigments pour que ça marche. Les pigments, grosso modo, ça se présente sous forme d'une petite poudre. Voilà. Salut Guillaume, il y a eu du coiffeur, t'as vu, il s'est... Très très fine, et ils ont réouvert, c'est pour ça. Il y a Jules qui est passé au coiffeur. Ça se présente sous forme d'une petite poudre, comme ça, très très fine. On va essayer d'en prendre un petit peu. Hop, voilà, bah sur le cul d'un pinceau, ça marche pas forcément très très bien, mais j'ai pas de petite spatule. Voilà. Donc de la poudre très très fine qui marque très rapidement et qui en met très rapidement partout. Donc cette poudre, il va falloir l'appliquer. Je vais vous montrer comment on fait, il y a plusieurs techniques. Et il va falloir la fixer pour éviter qu'elle se redépose dans tous les sens. Donc généralement, on va avoir besoin d'une petite panoplie de pigments. Donc je vous conseille d'avoir au moins des pigments un peu couleur rouille, couleur brune. Et des pigments couleur claire qui vont être pratiques pour marquer la poussière. Vous avez aussi la possibilité de bricoler des pigments avec plein de choses. Vous pouvez le faire aussi avec tout simplement de la terre. Des fois ça marche, il y a des trucs à faire, n'hésitez pas à bricoler. L'idée, c'est donc ces deux façons de l'utiliser. Pour ça, donc comment je vais vous présenter ça?
Je vous présentais la première façon que j'utilise, c'est en le diluant. La matière, la manière un petit peu, on va appeler ça humide. L'autre manière, c'est de les utiliser secs. Et ça ne fait pas du tout le même rendu. Allez, c'est parti. Donc, vous allez avoir besoin, pour la matière humide, de différents diluants. Il en existe dans plein de marques différentes. Vous pouvez utiliser, donc ça c'est des vieux pots que j'ai chez moi, des pots de la marque MIG. C'est un thinner pour faire des lavis pour les pigments. Vous pouvez aussi utiliser des diluants acryliques de chez Green Stuff World. Donc on va faire l'essai ensemble, tant que c'est très liquide, ça fonctionne. Vous pouvez aussi utiliser du White Spirit, de l'essence F. Évitez l'acétone si vous tenez à vos figurines, sinon ça va pas marcher. Mais le White Spirit fonctionnera très très bien et l'essence F aussi. Le White Spirit donnera peut-être un rendu final un peu plus satiné si vous en mettez trop, mais il aura aussi l'intérêt de fixer votre pigment. Là où l'essence F par contre se volatilisera mais ne fixera pas. Ça, on va faire l'essai ensemble, mais je pense que ça fixe aussi. Donc voilà, ça je pense que ça sera fixant aussi au final. Par contre, le thinner, tous les thinners que vous pouvez avoir ne fixeront pas, il faudra appliquer un fixatif. Fixatif que vous allez pouvoir aussi retrouver dans différentes marques sous forme de pot, que vous pouvez aussi bricoler maison à l'aide de vernis ou de tout simplement de White Spirit qui fixera vos pigments. Faites attention dans l'utilisation de ces produits, l'intérêt du pigment c'est de garder sa texture, qui vous allez voir est beaucoup plus sèche que l'acrylique classique. Plus vous allez rajouter de fixateurs, de produits différents, plus vous risquez de perdre cette texture. Donc à vous d'y aller avec parcimonie. Il y a Guillaume qui nous dit alcool à 70, ça marche aussi. L'alcool aussi ça fonctionne. Tout ce qui va s'évaporer en fait. Voilà, tout ce qui va s'évaporer naturellement ça fonctionne. Donc on prend un petit peu de pigment dans une petite palette à godet, comme ça, vous en mettez un tout petit peu. Donc là, si vous avez même un pinceau ou un petit truc pour les récupérer, c'est encore mieux. Hop, donc vraiment une petite dose, point trop dans le fond. Et à l'aide de votre diluant, vous allez créer un... Il y a Jean-Luc Payan aussi qui vient de se connecter, mais je suis encore à... Encore plus à la bourre. T'inquiète pas, tu pourras rattraper tout ça. Voilà. Pour rappel, du coup, on est en replay du coup, sur les trois plateformes. C'est ça. Heureusement qu'il y a le replay. Et l'idée, là, c'est d'avoir quelque chose de très, 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 très liquide. Tac. Qui va vous permettre, du coup, de venir faire des lavis dans les creux. Et posez vos pigments. Allez-y avec délicatesse. Point trop d'en faux, vous allez voir que ça va s'accumuler très rapidement. Vous voyez tout de suite un petit peu des traces qui se créent, des petites taches qui se créent. On a Victor de Coloream qui fait trois plateformes. Ouais, du coup, on est sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. Donc c'est pour ça que vous voyez les petites icônes à chaque fois, c'est les messages des différentes plateformes. Il y a Creed qui dit « Ouais, mais l'alcool ça attaque la peinture et ça lave le pigment, le white ça fonctionne mieux je trouve. » C'est ça. Et du coup Victor, la troisième du coup c'est sur Twitch. Donc là on le voit quand même bien mieux sur le blanc. Ouais, forcément sur le blanc. Ça marque mieux. Donc là encore, essayez de trouver les endroits un petit peu logiques où cette poussière va pouvoir venir se poser, s'accumuler. Hop. Donc n'hésitez pas dans les recoins à venir faire un petit glacis. Hop, je vous mets le lien de la chaîne Twitch si vous voulez. Voilà. Alors, là ça permet, hop, j'ai ma tête qui est au-dessus, pour monter un tout petit peu le, hop, nickel. Donc là ça permet vraiment en fait de déposer le pigment en fait dans les creux. C'est ça, de manière assez précise et assez légère. Et de laisser les surfaces un peu libres.
Ouais, puisqu'on voit que ça agit vraiment comme un lavis. Quand vous le passez, hop, ça va tout de suite couler juste dans les creux. Il y a un fille qui fait, tu vois que le beige sable, ça se voit sur du blanc. Le beige sable, ça se voit sur du blanc? Bah non. Ouais, il parle peut-être du de ce pigment là. Qui est pas beige du coup, qui est rouille. On a Victor du coup qui vient de se reconnecter sur Twitch. Je vous invite soit à aller vraiment sur YouTube ou sur Twitch, vous allez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Pareil en termes de comment on appelle ça, de délai, du coup, vous êtes quand même bien, bien mieux. Quand vous nous posez des questions, on les reçoit pas 30 secondes après. Moi, je fais des live Twitch aussi. Mais écoute, je crois que je suis déjà tombé sur un live la dernière fois. Je suis pas sûr. Voilà. N'hésite pas à mettre le lien si tu veux de la chaîne. Et donc maintenant, il va falloir qu'on attende que ça sèche ensemble. Bien sûr, on va aussi barbouiller les chaînes. Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup sur les chenilles. Ouais. Tac. Par contre, j'aurais aimé que mon pigment soit un peu plus foncé. Là, il est trop clair. C'est ça, sur YouTube, images et son super, en effet. Ouais. Parce que du coup, on est limité sur Facebook au 720. Axel! Ce qui est quand même bien moins sympa. Est-ce que tu peux me ramener un pot de pigment brun foncé, s'il te plaît? Ce que j'avais pas vu, mais celui que tu as, il est très clair, il est très rouille. Ah ben nickel. Hop. Je vous invite du coup à aller voir aussi la chaîne du coup de Colorarium. Mais il me semble que je t'ai vu en fait sur d'autres groupes Facebook en fait. Hop. Vous allez voir passer un Axel sauvage. Hop. Ouais. J'ai bien aimé un brun boue vraiment marron. Tout le monde qui me pose la question, ouais, du coup je suis allé chez le coiffeur. Hein. Vous pouvez voir entre les différentes vignettes de live. Il y a une évolution au fur et à mesure. Mais Jules aussi. Ouais, du coup, Victor, c'est bien ce logo là que j'avais vu. D'ailleurs, est-ce que du coup, tu étais peintre en commission ou c'est vraiment que... Merci, parfait. Voilà. Donc un brun... Que pour le plaisir. Brun foncé, très très bien. On va refaire un petit mélange de brun foncé. Hop, et ce coup-ci, je vais le diluer un petit peu moins pour l'utiliser sur... Salut Valentin. Les maillons de chaîne. Aussi utiliser un pinceau un peu plus gros pour pouvoir aller plus vite. Donc moi je mets de diluant, plus ça va marquer, plus ça va être teinté. Hop. Il teint l'amour. Il tainted love. C'est de vous moi, je m'en vais, salut Zvani. Je reviens passer là où j'ai de la boue. Alors n'hésitez pas à protéger un peu votre plan de travail quand vous faites ça, parce que vous allez voir que les pigments, oui. C'est sale. Ça en met rapidement partout. Alors ce qui est rigolo avec ces techniques aussi, c'est que vous pouvez vraiment, il y a un côté vraiment ludique
à l'application de ces techniques, ce que vous allez pouvoir barbouiller, tamponner, éponger, tapoter. On n'est pas dans la précision comme d'habitude. On est sur quelque chose de vraiment plus créatif, instinctif. Et n'hésitez pas du coup à utiliser tout ce panel de possibilités pour amener les textures que vous souhaitez à vos figurines. On a Guillaume qui nous dit, pour la boue avec du vernis brillant, tu gardes l'effet mouillé. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais... En effet, du coup on a des petits... Le vernis brillant va effectivement donner une autre texture, mais là c'est vraiment l'aspect sec. Parce que c'est quelque chose qu'on voit moins facilement sur nos figurines. Donc là pour l'instant c'est très humide et très liquide. Mais normalement, si ce thinner fonctionne bien, on va avoir quelque chose de sec une fois que ça sera évaporé. Donc là, vraiment, en fonction du rendu que vous voulez, si vous voulez qu'il soit plus ou moins propre, on va dire. À vous d'appuyer plus ou moins. C'est ça. Tac. Voilà, vous pouvez aussi, à l'aide de votre pinceau, un pinceau un peu plus fin, prenez pas un bon pinceau, un beau pinceau, hein, prenez des trucs un peu vieux et usés. Hop, et vous pouvez tout à fait aussi faire des lavis de différentes teintes, de différents marrons, de... N'hésitez pas à varier un petit peu les couleurs, parce que dans la vie, c'est rarement uniforme. Et on va se retrouver avec des choses de plein de couleurs différentes. Il y a Guillaume qui dit, par contre, il faut faire gaffe, les pigments n'aiment pas trop le vernis en bombe. Non, ça a tendance à les aplatir un petit peu, ouais. On peut diluer plus. Hop, pour avoir quelque chose d'un peu plus transparent, un peu moins marqué, pour venir faire des petits lavis de boue aussi par endroits, petites coulures. Pour avoir différentes coulures de différentes teintes, de différentes intensités. C'est des lures qui sont cool. On peut aussi faire un petit truc qui est assez chouette. La femme de l'hibou. Alors, en train de perdre Axel, t'es en train de craquer en cette fin de journée. Il s'est lancé, il a mangé un clown à 4h, on l'a perdu. Donc avec un pinceau brosse, vous allez prendre un petit peu de produit sur la pointe de votre pinceau et vous allez pouvoir faire des splatches, éclaboussures. Un peu comme avec votre brosse à dents, tu vois. Voilà. Alors si vous n'avez pas envie de vous en mettre plein les doigts, vous pouvez aussi le faire avec un autre pinceau. En venant du coup donc ça va amener une autre texture à votre figurine. Il y a Guillaume qui demande Valero c'est mieux que MIG. C'est une marque différente. Je connais pas trop MIG, mais en tout cas on est vraiment content de tous les produits Valero. On est vraiment content des produits Valero. Après, il y a un moment, faut qu'on fasse aussi des choix sur les gammes. MIG, c'est bien. Valero, c'est bien. Je pense que c'est une question de choix. On est en train de vous préparer un truc trop cool pour demain, vous allez voir. À demain. Demain à partir de 20h, 20h30 on a dit, en fonction, on va voir. Voilà. Que juillet, 19h30. Ah, 19h30. Non, 20h, j'ai mis 20h. Voilà. Tant qu'on mange un tout petit peu. Et après du coup on va vous préparer plein de choses, dont une partie Bolt Action. Oui.
Voilà. Comme c'est quelque chose qui reste fluide assez longtemps, si jamais vous avez des endroits où c'est un peu trop marqué, vous pouvez tout à fait venir avec un petit coup de pinceau, atténuer un peu l'effet, le tirer pour le transformer en coulure. Mais voilà, vous voyez que on peut faire des petites éclaboussures et donner du coup des textures. Il y a Sébastien qui nous est MIG, AEK et Valero, c'est quasiment la même chose pour les pigments. Oui. Au final, c'est vraiment que des pigments. Sauf si vraiment c'est du paprika, vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose. Ouais, nickel. Salut. En fait, ça dépend de ce que ton magasin local propose carrément. Du coup, on a fait le choix de Valero parce que du coup, on avait une très bonne gamme de peinture et en plus, on a vraiment un choix, on va dire, en pigments qui est quand même pas mal. On doit en avoir une vingtaine de couleurs, je crois. Et qui se marie aussi plutôt bien avec les textures. On va pouvoir, donc là, avec les pigments bruns, on a fait plutôt la boue. On va pouvoir, du coup, avec les pigments clairs, faire plutôt la poussière. Et du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Je vais vous montrer du coup l'utilisation un petit peu sèche qu'on peut avoir du pigment. Donc, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, du coup, au final, je l'utilisais, on va dire, à sec. Là, on va voir que c'est normalement. Alors, je vous avoue que je prends des risques. J'ai utilisé pour la première fois Steiner parce que je pense d'expérience que ça doit fonctionner. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera évaporé, on doit retrouver normalement l'aspect sec de notre pigment. Mais c'est possible que je me plante et que ça soit pas tout à fait sec. Mais c'est rattrapable, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez utiliser tous les thinners à base d'alcool. Donc que ça soit MIG, que ça soit de l'essence F, que ça soit du White Spirit, que ça soit Valero aussi a un petit thinner, mais j'en avais pas sous la main. On est en rupture de stock, on attend qu'il soit d'être livré, qui doit marcher très très bien aussi. Du coup là j'ai voulu tester avec le Green Stuff World parce que j'ai bon espoir que ça soit sympa. L'idée c'est que quand ça sera sec, normalement on doit retrouver une texture mate. Et du coup donc là c'est l'utiliser en technique aqueuse, ce qui va nous permettre du coup de faire des coulées, de faire des taches, de faire des éclaboussures. Ouais. L'autre technique c'est de l'utiliser sec. Pour ça, prenez un pinceau un peu plus rond, voilà, vous venez tamponner votre pigment dans votre pinceau, attention, allez-y avec parcimonie, et vous allez pouvoir du coup tamponner et épousseter votre figurine, et l'idée là c'est de positionner un petit peu de la poussière. Donc la couleur crème claire comme ça va très bien marcher pour suggérer la poussière. Quand vous en avez trop, vous soufflez dessus et il n'y en a plus trop. Voilà. Sébastien qui nous dit à pas confondre avec les Ducros. Ouais. À pas confondre après, avec les Ducros par rapport au paprika et autres. Ah oui. Je vous conseille de les manger. Mais après, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment testé avec du paprika? Je ne sais pas. Mais vrai, je pense qu'il y a un risque de. Pas de moisissure, mais. Non, ça, ça prend un peu aussi. Plus l'humidité, peut-être, je sais pas. Une fois que tu l'as fixé. Ouais. Et donc, il y a Jean-Luc qui dit à sec, ça peut faire mal. Mais non, là, tu vois, c'est tout doux. Tu vas avec un petit pinceau. Un petit pinceau tout doux. Victor de Color Ream qui nous disait Wargame Spirit, ça se passe bien la reprise, il y a du monde au magasin. Eh ben, il y en a, mais du coup. On a une boutique qui, au final, on peut utiliser que 20% entre guillemets de la boutique parce qu'on peut utiliser que pour l'instant l'espace de vente. Donc du coup, on n'a pas, on va voir la semaine prochaine, mais on n'a pas du coup accès à toutes les tables de jeu. On peut pas faire des démos de peinture. Enfin voilà, c'est un peu frustrant, mais on fait avec. Il y a Dim Dim, il va être tellement beau entre parenthèses sale mon rideau. C'est ça. Plus c'est beau, plus c'est sale. Ou inversement, je sais plus. Il y a Victor, il va jamais à Kalinoto le rhino, mort de rire. Ah non, là non. L'éléphant bleu ou tout autre. Là. Là non, là. Il est parti à la bataille celui-là. Je pourrais faire une espèce de diorama avec une sorte d'éléphant bleu du 40e millénaire avec la moitié du. Et qu'un type avec un karcher quand il avait un rhino. À moitié propre et à moitié sale de l'autre côté. Ça pourrait être. Il y a un truc à faire, effectivement. Ça pourrait être fun. Côté bien net. Voilà. Savonneux.
Faites attention aux traces de doigts, surtout quand vous travaillez différentes couleurs de pigments. Ça se met très vite sur les doigts et vous allez très rapidement faire des transferts. Donc méfiez-vous des traces de doigts. Et Guillaume, tu fais sinon, tu fais comme plein de joueurs, tu les oublies sur l'étagère et t'as de la poussière naturelle. Le processus est un peu plus long, mais ça passe. Tac. Il y a Jean-Louis qui disait pigment plus lamagne médium, ça fait de la peinture, et pigment plus contraste médium, ça fait du contraste. Pas tout à fait, mais oui, ça fait des trucs rigolos. Le souci, entre guillemets, c'est que tu vas te retrouver avec un rendu satiné, ce qu'on ne souhaite pas pour la technique des pigments. On veut retrouver l'aspect sec des pigments qui donne un aspect très réaliste et très naturel. Donc à chaque fois que tu vas utiliser un médium acrylique, tu vas lui donner un aspect satiné comme un acrylique. Et du coup, ça marche beaucoup moins bien. Tac. Il y a une fille qui fait un rhino paprika. Ça peut marcher, hein. Et vous pouvez du coup aussi faire des lavis avec votre couleur claire. Ce que j'allais dire, du coup, les pigments sont pas. Je pense pas que ça soit exactement les mêmes, mais du coup, on peut faire de la peinture Oh, avec. si, c'est exactement les mêmes, hein. Peut-être pas aussi fin, mais. C'est simplement que là, il n'y a pas de médium dedans, donc. Ouais, c'est assez quoi. Donc là, j'ai posé, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, hein, mais on fera des photos aussi. J'ai posé une fine couche de poussière sur mon rhino. Cette couche de poussière, je vais l'accentuer dans certaines zones pour vraiment donner l'impression que elle s'est accumulée dans les creux. Il y a Sébastien qui nous fait en tout cas très joli tuto pour les techniques de base pour le weathering, bravo. Tac. J'aimerais bien vous voir faire un autre sur vos techniques un peu plus avancées, histoire de faire un comparatif. Et du coup, avec ce lavis, ce truc un peu plus dilué de peinture claire, là, je vais venir me concentrer juste dans les creux pour vraiment montrer la poussière qui s'accumule dans les recoins. Hop. Jean-Louis qui fait un diorama avec un dreadnought tout propre et un bien sale et le dialogue qui va bien proposer. Eh ben vas-y, Jean-Louis. Au boulot. Il y a eu une illustration comme ça avec une sœur de bataille qui courait après un dreadnought Nurgle avec à la place du lance-lame lance-bulle nettoyant. Romphy qui fait tu peux utiliser des pastels sèches, une grande variété de couleurs. Oui, ça marche très bien aussi. Du coup, on a Grimza Gaudi qui parle du coup avec toi. Quel niveau de peinture as-tu utilisé sur les salamanders? Vous invite à aller voir directement sa page si vous voulez voir de quoi il parle. Du coup, on avait Romfig aussi. Alors, je vais vérifier avant de vous dire une Voilà. bêtise. On a Romfig du coup qui nous a envoyé son petit truc. Donc, pareil avec l'utilisation du coup des pigments. Qui est bien, bien. Et Bien donc sympa. là, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça sèche pour nous donner un rendu final. Je vais vous montrer aussi du coup comment on peut utiliser les pigments secs sur une figurine. C'est quelque chose qu'on est assez souvent amené à faire. Donc là, si vous voulez que votre marine, s'il est marché dans la boue, vous pouvez très bien prendre votre pinceau, un tout petit peu de pigment et venir tapoter votre figurine avec les pigments. Et quand ça sera sec, ça donnera cet aspect très Ouais, mat. c'est ce que j'ai fait sur mes Death Guard. Au final, le rendu est Donc on peut y très aller rapidement. comme un bourrin, C'est ça. en mode il s'est traîné dans la boue, comme on disait tout à l'heure, marche pour les figurines de Blood Bowl. N'hésitez pas du coup aussi à accentuer l'effet en mettant sur le socle, parce que vous imaginez bien que s'il n'y a pas de raccord entre C'est le ça, ça vous sol permet vraiment de lier le socle et et la la figurine. figurine, ben, ça marche pas, ça marche beaucoup moins bien comme effet visuel. Il y a Tac. Grimza qui me fait, vous êtes un commerce de quelle région? Du coup, on est de Grenoble, en Rhône-Alpes. Et bien sûr, vous pouvez ajouter, Et donc partout dans là, le monde, en vente en c'est ligne. un peu plus violent sur le bas de la figurine, mais vous pouvez très bien ajouter une
petite fine couche de poussière sur le haut, comme si il était dans une tempête de terre. Voilà. Allez-y avec parcimonie, par contre. Sur le bolt aussi, tu pourras ajouter un peu dans les creux. Hein. Pareil, là, après, vous pouvez soit souffler, soit utiliser un autre petit pinceau. Si jamais vous voyez que c'est trop marqué, vous pouvez reprendre un pinceau avec un petit peu d'eau. Voilà. Vous allez nettoyer. Et alors, je ne sais pas si ça sort à la caméra, ouais. Mais là, tout de suite, on a un rendu qui est beaucoup plus mat, beaucoup plus sec. Tu as vraiment l'impression de poussière. Mais techniquement, après, c'est de la poussière aussi. Voilà. Il y a Guillaume qui nous fait pigment, c'est parfait pour du sol martien. Carrément. Si tu veux quelque chose de bien volatile, c'est. Il nous reste pas mal. Deux petites techniques à voir. Après, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. C'est l'aspect humide, parce que là on a vu l'aspect sec. Alors l'aspect humide, il est tout simplement ultra facile à faire, il suffit d'utiliser du vernis brillant. Donc là où vous avez envie de marquer une boue qui serait encore un peu fraîche, ou par exemple des traces d'huile ou d'autres choses de ce type là, vous pouvez utiliser un petit peu de vernis brillant. Donc marquer de la boue fraîche, il suffirait de revenir avec le vernis tamponner des zones pour qu'elles restent du coup brillantes et donner l'aspect du sec. Pour l'huile, vous prenez du vernis brillant, vous mélangez une petite pointe de noir dedans et vous allez pouvoir du coup faire des traces d'huile à droite à gauche avec ce mélange. Hop. Alors j'ai fait mon petit mélange sur la palette, vernis brillant et noir, un tout petit peu d'eau pour délier le vernis brillant pour qu'il puisse se positionner un petit peu comme je le souhaite. Qui viennent pas trop m'embêter. Tac. Et vous pouvez essayer de trouver un endroit où c'est judicieux qu'il y ait un petit peu d'huile, par exemple autour des échappements, un petit peu d'huile qui éclabousserait, qui coulerait. Ça paraît judicieux. Tac. Sinon, on a le null oil aussi en gloss qui est pas mal pour ce. Le null oil en gloss marchera très très bien aussi. Un petit côté brillant qui ressort bien. J'avais pas envie de sortir un pot de null oil pour ça, donc un peu de vernis brillant. Disons que le null oil fera que de la graisse, alors que l'astuce c'est du ça. Vernis brillant peut vous servir à faire plein d'autres types de rendus. Tac. On peut imaginer les tentacules avec un effet à queue qui peut être pas mal. Donc là, par exemple, on peut imaginer qu'autour de certaines charnières, ils aient mis un petit peu de graisse pour qu'elle coulisse un peu mieux et que ça ait fait un petit peu des taches. Alors, il y a Sébastien qui nous dit d'ailleurs, question à côté du sujet, mais faites-vous toujours une récolte de grappe pour recycler en verre? Carrément. On continue du coup à récolter et on fera toujours une énorme collecte au French Fry Game Day. Gardez bien vos grappes, on récupérera tout ça. Alors là, j'ai pas d'exemple sous la main. Non, ils sont tous en bas. On avait déjà fait les prototypes. On a 2-3 vidéos sympas sur le Facebook si vous voulez voir ça. Il y a Guillaume qui dit il y a aussi la peinture Tamiya X19 qui est parfait. Oui. Ouais. Mais là encore, quand après, on peut faire un truc maison avec ce qu'on a sous la main, avec ce que vous avez déjà dans votre boîte de peinture, c'est surtout ça. Ou qu'on peut vous fournir facilement. Parce qu'alors Tamiya, c'est très très bien. On les a contactés pendant le confinement pour essayer d'avoir leur bombe de sous-couche. Afin de pouvoir pallier au manque de sous-couches games, on n'a juste pas eu de réponse. Et c'est pas dû au confinement. Hein. C'est pour avoir essayé de les contacter déjà avant, c'est une marque qui est assez difficile à contacter. Donc il y a quelque chose qu'on prend en compte énormément dans les gammes qu'on choisit et celles dont on choisit de vous parler, qu'on met en avant dans nos tutos et qu'on stocke, c'est la disponibilité. Une marque aussi bonne soit-elle, si on ne peut pas vous la procurer ou si elle est en rupture toutes les deux secondes parce qu'ils n'en fabriquent pas ou que ce n'est pas distribué en Europe comme il faut, ben ça perd un peu de son intérêt puisque sinon à chaque fois que vous allez venir nous voir pour refaire le plein parce que vous avez fini votre pot, on ne sera jamais en mesure de vous en offrir. Tamiya malheureusement fait partie de ces gammes qui sont franchement compliquées à se procurer. Donc c'est pour ça que là, je vais plutôt parler et accentuer sur des produits qu'on peut vous fournir toute l'année. On aimerait bien, hein, mais pour avoir essayé de les recontacter récemment, c'est vrai que ça n'a pas l'air de s'être arrangé, leur distribution en Europe.
Tac, il y a Seb qui fait très bonne nouvelle. Dès que je monte chez vous, je vous ramène quelques cartons bien pleins. Carrément. Je vais pouvoir repartir avec plein de gobelets. Il y a Guillaume. Donc là, on a fait, l'aspect à queue. Gros stock de grappes. Ce principe de vernis brillant, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour faire un autre produit qui va garder l'humidité, c'est le diesel, le gazoil, ce que vous allez pouvoir mettre dans votre char pour qu'il avance. Donc là, vous pouvez utiliser un brun un peu jaunâtre que vous allez mélanger ce coup-ci avec votre vernis brillant, toujours pour garder l'aspect un peu mouillé. Hop. Alors n'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau pour que ça soit quand même très fluide et transparent. Et vous allez, alors sur les rhinos, il n'y en a pas trop, donc à vous de choisir un endroit arbitrairement, mais normalement il y a quand même une trappe où on met de l'essence quelque part, et souvent il y a des taches autour. Donc, ça roule à quoi d'ailleurs un rhino? On sait pas trop, au Prometheum. Et du coup vous pouvez très bien aller faire un peu des taches, des coulures de ce produit sur une zone, qui va garder du coup cet aspect brillant et donner l'humidité. Donc là, on va dire que ici, ce truc-là, c'est fait pour mettre l'essence et que l'espèce marine, il vise un peu à côté, donc ça a un peu débordé, chef. Voilà. Il y a Rumpy qui fait T2M distributeur de Tamiya pour l'Europe. C'est malheureusement eux qu'on a contactés. Voilà, mais on n'a pas de nouvelles, même pas de réponse. Donc voilà, on voit par endroit que le produit commence à sécher et qu'il donne du coup un petit peu son rendu très sec, ouais. Très naturel au pigment. Voilà, alors objectivement, ça n'a pas encore complètement fini de sécher, mais j'ai quand même l'impression que le thinner de Greenstuff Ward fonctionne, hein, ça marche, mais ça reste légèrement satiné. Ce qui veut dire que le produit sera fixé, il ne se redéposera pas, il ne bougera plus, il ne sera plus altérable dans le temps, mais par contre, il n'est pas tout à fait mat. Donc à vous, après, de voir si ça vous satisfait. Si jamais ça vous arrive, vous pouvez très bien reprendre du pigment sec, hop, et à l'aide de votre pinceau, venir repasser par-dessus, tamponner les endroits que vous voulez remettre vraiment en pigment sec, hop, et ça marchera très très bien. Comme ça, vous aurez une première couche avec la couleur qui se sera bien incrustée avec votre produit. Et le pigment sec vient venir redonner un peu cet aspect qu'on cherche, cet aspect brut, sec de cette texture de pigment. Tac. Alors, du coup, c'est assez intéressant l'effet du thinner de Greenstuff Ward, parce que même si il satine un petit peu, il va quand même fixer le produit, ce qui fait qu'en une étape, vous avez votre véhicule qui est fini. Si vous passez du pigment sec comme ça, comme je l'ai fait pour le beige, ou si vous utilisez un thinner à base d'alcool, un diluant à base d'alcool, il va falloir le fixer. Sinon, vous allez en redisperser partout. À chaque fois que vous allez toucher votre figurine, à chaque fois que vous allez la transporter, vous allez faire des transferts de pigments. Là, sur une figurine blanche comme ça, vous pouvez être sûr qu'au bout de quelques manipulations, vous avez des empreintes de doigts partout. Et quand vous l'avez mis dans votre mallette et que vous avez pris votre voiture pour faire un trajet jusqu'à un tournoi, quand vous allez réouvrir votre mallette, l'intégralité de l'alvéole sera de la couleur du pigment et votre véhicule va être recouvert de pigments. Donc il va falloir les fixer, ça sera la dernière étape de notre tuto. Du coup, fixatif, moi j'ai mon vieux pot de mig que j'ai à la maison, donc c'est des pots que j'ai depuis longtemps, vous voyez que quand vous en avez un, ça va vous durer assez longtemps. On a aussi à la boutique, et je vous les recommande, ceux de Valero, qui sont très très bien, on arrive à se les procurer régulièrement, là on attend juste la livraison pour en avoir de nouveau. Vous pouvez aussi sinon utiliser du White Spirit, qui marchera très très bien. Ce fixatif, il va. Alors, avec le thinner, vous pouvez tout le temps revenir sur votre produit. Par exemple, s'il y a un endroit où vous avez mis un peu trop de poussière, vous pouvez tout à fait, même le faire avec de l'eau, avec le thinner ça marche particulièrement bien, venir reprendre simplement du thinner propre et venir badigeonner un petit peu là où vous en avez trop mis, essayer d'enlever l'excédent. Le tirer, le pousser, le remettre un petit peu comme vous le souhaitez.
Donc ça marche très très bien. Tant qu'il n'est pas fixé, le pigment va pouvoir rebouger, se remettre en place, surdiluer, s'accentuer ou s'estomper. Une fois que vous êtes satisfait de votre rendu final, vous allez pouvoir fixer votre produit. Pour ça, vous allez prendre un pinceau quand même un peu large parce qu'on va essayer d'en mettre un peu partout. Hop. C'est dégueulasse, ça. Vous allez par contre prendre très peu de produit au risque sinon de reperdre l'effet sec. Parce que le fixatif, ça va être en fait un diluant avec un petit peu de vernis acrylique. Le problème, c'est que le vernis acrylique, même mat, va avoir tendance à satiner et à perdre l'effet sec des pigments. Donc allez-y vraiment avec parcimonie en utilisant très très peu de fixateur et en venant simplement tamponner légèrement les surfaces. Voilà, imbiber légèrement les surfaces, mais sans trop insister, sinon vous allez perdre l'effet de votre pigment. Alors quand vous passez les différents produits sur vos pigments, ils vont avoir tendance à disparaître. Ouais, c'est ce qu'on a vu là du coup sur dans Voilà, les creux. parce que dès qu'on les réhumidifie, en fait, l'eau les rend un peu transparents. Mais une fois que ça aura séché, ça va revenir. Y a Jean-Louis qui demande pas de fixateur en bombe comme pour les tableaux. Non, ça marche pas bien parce que du coup, le fixateur en bombe, il se pose sur la surface et il descend pas dans le produit par capillarité et du coup, il fixe pas. Tu vas vraiment mettre du coup du produit de vraiment de partout sur la figurine. Tac, donc on va y aller doucement un petit peu sur les surfaces planes pour éviter d'enlever les effets un peu subtils qu'on a pu mettre à droite à gauche. On peut y aller de manière un petit peu plus brutale sur les chenilles. Là, on y a vraiment été comme un sagouin. Alors, est-ce qu'on a reçu d'autres photos? N'hésitez pas à nous envoyer vos créations ou tout ce que vous faites pour qu'on puisse soit vous conseiller, soit montrer tout ça. Alors, je vois aussi des gens des fois poser le fixatif au coton-tige pour venir vraiment juste tamponner. Si vous le faites au pinceau, pensez quand même à garder en tête la gravité et passez votre fixatif dans le sens un petit peu des coulures ou des éclaboussures pour que au cas où ça revienne bouger un petit peu les pigments, il y a toujours un petit peu le risque quand on badigeonne, ça le fasse d'une manière un petit peu logique et que vous ne vous retrouviez pas avec des pigments qui partent complètement dans le sens opposé de ce qu'il faudrait. Tac. Et donc pour finir, les chenilles. Hop, on a Geoffrey qui nous a envoyé un Grévious. Bien sympa. Donc là, pareil, tu peux utiliser une grosse partie de tout ce qu'on a vu, notamment sur le bas des jambes. J'aime pas mal cette version avec le flingue et le sabre. Ouais, tout ça, c'est des produits à base d'alcool, donc ça s'évapore quand même assez rapidement, donc votre travail va assez rapidement sécher. Par contre, il va avoir une jolie odeur alcoolique pendant un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à le laisser s'aérer pour que J'allais ça dire, s'en n'hésitez aille. pas à aérer aussi votre pièce. Ouais, parce que ça sent vite fort, ça fait vite tourner la tête. Voilà, et pour éviter les traces de doigts ou autres, n'hésitez pas aussi à travailler sur des supports. À coller votre rhino sur un truc Ça. pour éviter de laisser trop de marques. C'est ce qu'on disait aussi au niveau du plantrail. Pensez bien du coup à protéger vos plantrails, comme là on peut le voir. Oui, parce Si que j'avais. dessous, Ouais. c'est crado, hein. Vous Voilà. allez en fait avoir plein de petites projections, ou alors vous mettez vos os Space Marine en dessous pour pouvoir profiter des projections. Hop, il y a Jean-Louis qui nous a envoyé une photo, je vais voir. Voilà. Et on est pas mal. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je crois qu'on a fait le tour. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble.
Hop, on a Jean-Louis aussi qui nous a envoyé. Tac, je ne me rappelle plus le nom de cette figurine. Les Mournfang, les Mourne, Mourne quelque chose, Mourne Blade, Mourne... Qu'est-ce que tu conseillerais là, par exemple, pour une utilisation de pigments? Sur du fantôme, c'est un peu compliqué ouais. d'utiliser des pigments parce que c'est un peu antinomique, qu'il y ait de la matière qui tienne dessus. Peut-être des poudres blanches, beiges, pour accentuer un peu la poussière. Drapés, ouais. Ou des éclaboussures de marron sur le bas du dédrapé. Mais... Ouais, après, c'est une question de texture et d'envie de rendu. C'est ça. Mais pas mal. Tu nous remontres un peu le rhino, parce qu'il est sur le côté. Voilà, donc notre petit rhino qui va petit à petit sécher. Voilà, vous voyez que en peu de temps, on peut aller plus loin avec son rhino et lui donner un peu de vie, un peu de gueule. C'est ça. Voilà, et augmenter un petit peu son travail de peinture sur un rhino qui sinon... On va dire lui donner un côté un peu plus rester réel. Triste, un peu plus fini, un peu plus avancé. Ah si, un dernier truc, puis après on s'arrête là. La fumée. Oula, j'ai tué la caméra. Désolé, je vous ai assommé. Donc pour la fumée, c'est ni plus ni moins qu'un brossage de noir. Donc vous prenez de la peinture noire. Vous pouvez le faire aussi avec des pigments, ça marche très bien. Mais avec de la peinture noire acrylique brossée, vous allez garder l'aspect quand même sec. Et surtout, c'est fixé directement. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas besoin du coup de pas besoin de fixer. Refixer. Mais si vous avez envie de vous amuser avec les pigments, vous pouvez le faire avec du pigment noir. Voilà. Donc vous prenez de la peinture noire, vous séchez bien votre pinceau et vous allez faire en fait un brossage sur les zones à traiter. Alors le problème, c'est que comme mon fixatif est peut-être pas encore sec de partout, ça n'a peut-être pas bien marché. Voilà. Et là où vous avez envie de faire de la fumée, ben, vous venez brosser. Pensez à votre panache de fumée aussi qui va forcément laisser un petit peu des traces par endroit. Alors. Bon là, faudrait repeindre un petit peu le pot d'échappement en plus noir pour les creux, mais je laisserai à Dim le soin de faire ça. On va juste frotter un peu de la fumée par là. Et on a un rhino qui roule. Donc tout l'idée de ce weathering, le concept qu'il y a derrière ces techniques-là, c'est de donner à vos figurines l'impression qu'elles sont dans un environnement, que cet environnement a une influence sur elles, et tout simplement bah, qu'elles vivent un peu, ça va leur donner un petit peu de réalisme et de vie, et moins l'impression qu'elles sortent de l'usine et qu'elles sont juste toutes neuves. Voilà. C'est vraiment aller plus loin dans la vie de vos figurines. C'est ça. C'est vu que vous, du coup, vous n'avez pas forcément de socle sur les grosses figurines comme ça. Ça vous permet aussi, du coup, de... Mais même sur un Space Marine ou sur une figurine, ça va donner l'impression qu'il a marché dans la boue, qu'il a de la poussière sur lui, qu'il a de la poussière sur sa cape, qu'il a de la fumée au bout de son arme. C'est tout un tas de choses qui vont accentuer le réalisme et l'aspect vivant de votre figurine. Voilà. C'est des techniques qui sont assez faciles à mettre en œuvre, qui demandent assez peu de technicité. On l'a vu, c'est du brossage, du badigeonnage, du tamponnage. C'est des techniques qui sont sales, vous en foutez plein les doigts, plein le plan de travail. Mais c'est assez créatif, c'est assez, assez chouette à faire, c'est récréatif aussi. Et il y a moyen de passer un bon moment en s'amusant. Ce que vous allez apprendre avec l'expérience, c'est trouver le juste milieu, pas trop avoir la main lourde, accentuer ou simplifier les effets pour
donner différentes suivant le rang du goût, des notions, teintes. Voilà. Forcément, là, le char, on sent qu'il n'a pas vu un garage depuis longtemps et que la bataille dans laquelle il est embourbé a l'air de s'éterniser et de le fatiguer un peu. En tout cas, c'est un champ de bataille qui est crado, il y a plein de boue, c'est pas ouf. Si vous allez sur des rendus plus simples, plus légers, en mettant moins de poussière, moins de boue, etc., bah vous allez forcément suggérer autre chose. Si votre boue, là j'ai voulu un rendu sec, mais si votre boue vous la passez au vernis brillant, vous en mettez partout, vous accentuez les éclaboussures, ça va donner l'impression qu'il a plu, qu'il y a plein de zones humides autour. Vous pouvez même vous amuser avec votre vernis brillant à faire des coulures brillantes pour simuler le fait que c'est carrément en train de pleuvoir autour de votre figurine, que la pluie est là. Vous pouvez faire des petites taches sur les parties plates pour donner les impacts d'eau. Voilà, vous avez plein de techniques à faire et au-delà de suggérer simplement la forme et la couleur de votre figurine, ça va lui donner vie en suggérant son environnement. Voilà. Et sur ce, je n'ai plus rien à dire. Je vous ai tout montré Nous, on sur les montre un bases peu du Weathering. le Space Marine, les bases. Donc le Space Marine qui est juste Voilà. un peu passé dans la boue, qui a séché. Donc ça a vraiment un effet en 10 secondes, même pas. Hein. Vous avez un rendu qui est Qui permet vraiment d'aller un top. peu plus loin C'est ça. et de donner un peu vie à vos figurines. C'est bien parce que ça fait vraiment un filtre de couleurs, tout en gardant cet aspect un peu poussière. Hop, on a Colorial qui fait. J'ai beaucoup de mal perso avec le Weathering, j'aime pas trop faire ça. En effet, du coup, après, il va y avoir vraiment deux types Après, c'est une question de de. goût, hein. Ouais, voilà. En fonction du coup de ce que vous voulez faire. C'est une L'aspect question de mat, goût et d'envie de exact. rendu, mais voilà, ça peut donner un peu de vie à vos baits. Ça vous permet aussi de coller du coup aux autres socles que vous allez avoir dans votre armée. Si vous faites vraiment des socles boueux pour vos Space Marine, du coup ça permet de lier un peu les deux. Autant les battle damage ça va, mais les weathering purs c'est pas ma tasse de thé. J'aime beaucoup en tout cas le résultat. Vu que sur mes Death Guard j'étais bien avare, on va dire, en boue et en trucs dégueulasses qui dégoulinaient de partout. C'est pas mal. Est-ce que Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. ça va être la fin de ce live. On se retrouve demain pour faire une soirée jeu tous ensemble. C'est ça, Si une vous avez grosse des soirée. questions aussi, n'hésitez pas à faire le plein pour demain. S'il y a des choses qui vous viennent ensemble en tête après avoir testé ces techniques, ben, demain on pourra répondre aux questions. Je ne sais pas ce que je vais peindre demain. J'ai envie d'aborder la soirée comme une soirée peinture entre copains où on bricole ensemble. Et puis on passera de table en table. Est-ce que je prendrai pas aussi une poignée de figurines pour venir taper l'incruste sur une partie? Pourquoi pas? Ça. On verra. Voilà. Et je pense qu'on a tout dit pour ce soir. C'est ça, Sébastien qui fait encore merci à vous. Victor de Colored Realm, je vais y arriver avec ton nom. En même temps, sur les Drukhari, pas de Weathering Murder. En Ça effet, dépend, après, ça il va y dépend. Si tu fais avoir. des Drukhari dans un désert, imagine une attaque de Drukhari dans un désert vraiment sec de sable avec une tempête de sable. Tu pourrais très bien avoir plein de petites poussières beiges qui viennent se coller dans tous les interstices des armures. Au contraire, je pense que ça peut être super intéressant. Je pense qu'il n'y a pas de règle à se dire le Weathering, ça s'utilise sur telle ou telle armée. Non, c'est une question de narration et d'envie de raconter quelque chose. Et le Weathering, il s'utilise ou il ne s'utilise pas, ou il s'utilise de différentes manières en fonction de l'histoire que tu as envie de raconter. Voilà. Exactement. Mathieu qui dit merci à vous et à demain du coup. Eh ben, Et à ben, à partir de demain! 20h, À en tout partir de cas, 20h. et il y aura pas mal de petits trucs, il y aura des petits quiz, il y aura des jeux, il y aura des trucs à gagner. Enfin bref. Je On ne va pas sais tout vous pas. dire maintenant. Peut-être un colonel dans la jungle. On ne sait On ne sait pas. pas. On ne sait pas. En tout cas, merci, c'est cool comme vidéo, Colorea qui dit ça. Merci à toi. Et du coup, je vous invite aussi si vous voulez aller voir Merci à ces vous de nous lives. suivre. Pensez à liker, partager, inviter les copains, faites connaître la chaîne si ça vous plaît, ça peut intéresser d'autres personnes. Et puis ben, on va continuer sur cette lancée, à essayer de vous apprendre plein de choses et à vous montrer des choses sympathiques.
On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Amusez-vous bien. Salut. Bisous.